Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo pour faire le point sur le match qui vient de commencer entre le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier et l'AS Ajaccio d'Olivier Pantaloni. Le PSG va vouloir s'imposer pour reprendre 3 points d'avance de plus et revenir donc à 6 points de Lens. Ils étaient à 6 points avant le match de Lens contre Reims, Lens a gagné. Et avant leur match contre Ajaccio, ils sont à 3 points. Donc le PSG veut avoir son 11e titre, donc va vouloir gagner ses matchs restants, dont ce match contre l'AS Ajaccio. Chose à savoir, si l'AS Ajaccio perd ce match ce soir au Parc des Princes, ils seront, comme Angers, officiellement relégués en Ligue 2. Ils n'en pourront plus essayer de se maintenir. Donc l'AS Ajaccio va vouloir tout donner pour encore espérer rester en Ligue 1 la saison prochaine. Et le PSG va vouloir s'imposer pour pas mettre en doute son titre et son 11e titre de champion de France. Donc on va faire le point sur la composition officielle de ce match. Côté PSG, côté Christophe Galtier, on aura Donnarumma au but, Marquinhos, Ramos, Danilo, Hakimi, Verratti, Fabian Ruiz, Bernat, Lionel Messi et Kitike, Kylian Mbappé. Sur le banc, on aura Bichabou, Icardi, Hoochnri, Rico, Sanchez, Seriff, Soler, Vitinha et Zaïre Emery. Côté AS Ajaccio, sur le banc, on aura Alphonse, Chabrol, Chegra, Khalifa, Leroy, Mayembo, Nouri et Soumaré. Et sur le terrain pour l'AS Ajaccio, on aura la surprise, Benjamin Leroy sur le banc et Solacaro titulaire. Diallo, Vidal, Avinel, Youssouf, Spadaluda, Koutadeur, Mangani, Marchetti, Barreto et El Idrissi. Donc l'AS Ajaccio, ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer à penser à rester en Ligue 1. C'est de faire l'exploit de battre le Paris Saint-Germain et de retarder leur titre et de le mettre en doute. Et le PSG va vouloir s'imposer pour essayer de partir vers le titre. Mon pronostic, victoire de l'AS Ajaccio.